Dans la vie, je suis fan de beaucoup de choses. Si vous demandez à mes amis, ils vous diront que je suis fan de zombies, de Steven Spielberg, des voyages, et aussi du chinois. Enfin, de bouffe, quoi. C'est pas faux. Mais il m'est arrivé un truc. Faut que je te dise un truc. Tu vas te marier ? Je suis enceinte. Franchement, quand votre meilleure amie tombe enceinte, ça fait peur. On s'attend à ça. Non, je sortirai pas ce soir. Non. On s'en fout de ton anniversaire. Hein. Tu peux pas comprendre, toi, t'as pas de gosse. Ah, et puis dis-lui aussi de se grouiller, parce que si elle continue, elle va être trop vieille pour en avoir aussi. Vous comprenez, moi, je pensais qu'on aurait des enfants en même temps, un jour, dans le futur. Je pensais pas qu'on était déjà dans le futur. Mmh. Manon, rends ce ballon à Pépito. Bon, Manon, au pied. Manon, écoute ta tante un peu, hein. Bon, Pépito, je vais te botter le cul. Pépito. Bah oui, c'est comme ça qu'on appelle son bébé pour l'instant. C'est toujours mieux que le fœtus. Et donc, vous avez peur qu'elle vous oublie? D'être jalouse de cet enfant? Qu'elle l'appelle vraiment Pépito? Mais non. Mais non, non, moi, ce qui me perturbe, c'est que je trouve ça génial. Je vais être tata. Alors je vais pouvoir lui apprendre à dessiner, à dire des gros mots. Ce qui me perturbe, c'est que 30 fois par jour, ben, je parle pas de ma série télé préférée, ou du dernier restaurant d'hamburger, ou de l'avant-première du Hobbit. Ce qui me perturbe, c'est que... je suis fan de Pépito.